chers enfants, bienvenue à l'émission Raconte-moi une histoire. Cette émission, les enfants, elle est pour vous, rien qu'à vous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Edith. Quand Edith est rentrée de l'école, sa maman a tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. Qu'y a-t-il, ma chérie demanda maman. Tu as l'air de porter tous les problèmes du monde sur tes épaules. Oh maman, dit-elle, j'en ai assez d'être taquinée à longueur de journée. C'est toujours la même chose. Et qu'est-ce qu'on te dit demanda maman. Tu ne dois pas y faire attention. Toutes les petites filles se font taquiner à l'école un jour ou l'autre. Oh maman, ce n'est pas une simple taquinerie, répondit Edith. Mes camarades me traitent de tous les noms seulement parce que j'observe le samedi. Pourquoi est-ce qu'ils ne me laissent pas tranquille Maman s'assit et prit sa petite fille sur ses genoux. Je vais te raconter une histoire, dit-elle. Après, tu te sentiras beaucoup moins malheureuse. Il s'agit de trois garçons qu'on amena un jour comme prisonniers dans un pays étranger pour servir un roi qui ne croyait pas en Dieu comme eux. C'était très dur pour eux. Ils voulaient rester loyaux envers Dieu et ses commandements. Mais tout autour d'eux, il n'y avait que des païens qui adoraient des idoles. S'ils se risquaient à parler de leur religion, on se moquait d'eux. Parce que ces jeunes gens s'efforçaient d'être bons, les gens de ce pays faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour les ennuyer et les trouver en faute. Et un jour, on les mit à l'épreuve de façon plus terrible encore. Le roi se mit en tête de fabriquer une grande statue d'or. Très fier de sa statue, il décréta que tous les princes, gouverneurs et dirigeants de son royaume devaient se prosterner devant elle. Il fit donc paraître un décret selon lequel, un certain jour, ces gens devraient se rassembler dans une grande plaine autour de l'idole et, à un signal donné, se prosterner face contre terre devant elle. Pour être sûr que tout le monde obéisse, le roi menaça de faire jeter dans une fournaise chauffée rouge tous ceux qui ne s'inclineraient pas devant la statue d'or. Les trois jeunes gens savaient qu'ils allaient subir la plus grande épreuve de leur vie. Ils ne pouvaient pas l'éviter, car ils avaient étudié à l'école spéciale du roi et vécu à la cour. Ils se retrouvèrent donc au milieu d'une vaste foule devant la grande statue d'or qui se levait devant la grande multitude. Comme leur cœur devait battre en attendant le signal, les gens qui les connaissaient murmuraient entre eux, se demandant ce qu'ils allaient faire. Finalement, l'orchestre du roi se mit à jouer. Il y eut un grand cri, et toute la foule se jeta face contre terre. Dans cette immense plaine, trois silhouettes se détachaient. Les jeunes n'auraient pas pu mieux se faire remarquer. On commença à les regarder du coin de l'œil. La nouvelle se répandit rapidement dans la foule. Les trois Hébreux avaient refusé de se prosterner devant la statue du roi. Qu'allait-il se passer Il dut y avoir une agitation terrible. Tout le monde savait quelle était la punition et on se demandait ce que le roi allait faire. En attendant, les trois garçons restaient debout, le visage pâle, immobile. Ils étaient prêts à affronter leur sort avec courage. Le roi les envoya chercher. Il était de mauvaise humeur. Il leur demanda quelle était leur intention en désobéissant à son ordre, et les menaça encore une fois de la fournaise ardente. Avec respect, mais fermement, les garçons répondirent, ⁇ Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi le roi devient encore plus furieux et il ordonna à ses soldats de chauffer la fournaise sept fois plus que d'ordinaire. Puis les trois garçons furent liés et jetés dans la fournaise ardente. Ce dut être un moment terrifiant pour eux. Mais ils ne perdirent pas courage, même lorsqu'ils sentirent la chaleur épouvantable du feu. C'est alors qu'il se passa quelque chose d'extraordinaire. Le feu brûla les cordes qui les liaient, mais il ne les toucha pas, il ne toucha pas à leur corps. Et soudain, Jésus lui-même apparut avec eux. Le roi vit quatre silhouettes marcher au milieu des flammes, et il fut effrayé. Il ordonna aux garçons de sortir de la fournaise et ils sortirent triomphants. La Bible dit que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés et que leurs caleçons n'avaient point été endommagés et que l'odeur du feu ne les a pas atteints. Toute la foule qui était rassemblée là fut témoin de ce grand miracle et dut être énormément impressionnée. Quant au roi, il admit que le dieu servi par les garçons était plus grand que sa statue. Il n'y a aucun dieu qui puisse délivrer comme lui, dit-il. Et ainsi, parce que les jeunes gens avaient été fidèles et n'avaient pas eu peur de souffrir même la mort pour ce en quoi ils croyaient. Toute la nation fut bénie et même le roi dut reconnaître la folie de son idolâtrie. Je crois que je comprends ce que tu as voulu dire, remarqua Édith. J'en suis sûre, dit maman. Tu es à l'école le petit témoin de Dieu. Tu dois lui être fidèle à tout prix. Tu sais que le sabbat est le jour de repos que Dieu, dans sa parole, nous ordonne de sanctifier. Les autres se moqueront peut-être de toi. Mais cela ne fait rien. Malgré toutes les méchancetés qu'ils peuvent te dire ou te faire, sois fidèle jusqu'au bout. Jésus t'accompagnera à l'école comme il a accompagné il y a bien longtemps ces trois garçons dans la fournaise ardente. Je crois, dit Edith, que je ne vais plus autant m'inquiéter maintenant. Je vais essayer d'être aussi courageuse que ces trois garçons. Chers enfants, je vous invite à suivre l'exemple d'Édith et l'exemple de ces trois garçons. Quelles que soient les difficultés que vous puissiez rencontrer à l'école, quelles que soient les moqueries, soyez fidèles jusqu'au bout. Jésus le promet dans sa parole, vous aurez votre récompense et il ne vous abandonnera jamais. A bientôt pour une nouvelle histoire.